Pardon. Pardon, mais vous étiez sur ma route. Bonsoir et bienvenue dans la série du futur où on continue encore à explorer, massacrer et globalement parler mal avec Vili. Allô. Salut, j'ai un client. En fait, c'est juste le fils de Nancy qui veut récupérer un truc qu'on lui a volé. Et ouais, avant que tu demandes, on parle bien de la même Nancy, celle qui jouait du synthé pour Samouraï. Oh, un dernier truc. Si tu pouvais récupérer la caisse de Spoma en même temps, ce serait Premios. Premios, hein? Alors, t'es OP? Les détails sont en pièce jointe si c'était. D'accord, le problème c'est que ça fait 2 semaines que j'ai pas joué. PTDR, t'es qui? Voilà, à part être une cybermif absolument incroyable. Alors attends, voyons voir. Tu vas récupérer cet album, ils l'ont pas encore fourgué, ils doivent traîner là-bas, récupère la voiture de Dan, t'auras un petit bonus. Bonjour. Y a de quoi hacker. Ah oui, alors brave gens, depuis la dernière fois, le patch 1.2 est sorti et a absolument rien apporté. Décidément, à la sortie de ce jeu, son patching, son contenu, tout est une débandade. Ce patch 1.2 qui est ridicule, mais les mods, brave gens. Les mods sont là pour nous aider. Par exemple, quel genre de mob? Par exemple... Analyse terminée, début de la cyber-imputisation des contrôles total. Oh là 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 là. C'est glorieux. Ça y est, c'est fini. Plus jamais on a des problèmes avec ces espèces de machins. Plus jamais je me fais chier avec ce mini-jeu à deux ronds. Voilà, plus jamais je vous embête. Voyons voir. Mon amical, déjà pour commencer... Deviens mon ami, le ballon est mon ami. Ensuite, le cyberpiratage, pareil, hein, vous connaissez la chanson. Fin de l'analyse. Oh là 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 là. Glorieux. Glorieux. C'est un mode qui permet de détecter automatiquement tout ce qui... comment ça s'appelle? Tout ce qui est prenable ou pas faisable sur un... Sur une console de commande, excusez-moi. Pour les caméras, voilà, j'étais concentré. Alors, eux, là, ils m'ont l'air très bien. Prime. Ils m'ont l'air prime pour une petite contagion. Oh, le sida de l'espace. Il faut l'achever vite, court-circuit. Bon, et ça, il m'a vu. Il m'a vu. Aïe, j'ai quitté. Il m'a vu. Ah, il m'a vu. C'est ça. Boum. J'aime bien parce que mon fusil tire littéralement des abeilles. C'est la couleur qu'ont les balles, regardez. Voilà, regarde. Une abeille. Hop. On charge les abeilles. Hop. Petite Maya. Qu'est-ce que c'est efficace, hein. Qu'est-ce que ça marche bien. Stay de loin, lui. Il respecte rien. Non. Il est protégé par le véhicule. Très bien. Oh. On va tenter une approche plus personnelle. Insuline. Hey ya. Oh, ça doit faire mal. Glissade. Corps à corps. Fusil à pompe. Mise au sol, double fusil à pompe. Ouh, ça c'est beau ça. Le ballon est mon ami. En parlant de ballon. Petit court-circuit. Petite contagion, mais ça c'est pour le mettre bien. Il reste une dame là-bas. Faut pas sniper, madame. C'est réservé aux protagonistes qui ont des abeilles, ça, madame. Regarde ça, avec l'abeille. C'est du miel. J'adore cette arme. Elle est complètement OP. Hein. C'est complètement craco, mais j'adore. Bonjour. J'ai dit, ça y est. Oh là 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 là. Toute cette violence graphique. Très bien. Alors, profitons-en pour farmer des points. Désactivons. Voilà ça. Ça fait des points de désactiver les caméras. Donc allons-y. Hop. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que nous avons ici? Lootons. Forcer. Ça sert à rien de forcer. C'est juteux ça. On prend ça. On va tout looter juste derrière, paniquez pas. Et je sais, brave gens, je sais qu'à chaque fois je rate. Putain, mais je peux pas.
Non. Je peux pas crouch jump. Je peux pas crouch jump. Dans ce cas-là, est-ce que... Est-ce que je peux atteindre cette console de commande depuis l'extérieur? Non, hein. J'ai bien peur que non. Tant pis. Profitons-en pour regarder nos stats tels qu'elles sont. 14 en technique, 12 en intelligence, 4 en sang-froid. Je m'en sers pas du tout. Je suis pas cool. Réflexe et constitution qui sont bas, c'est fait exprès, c'est pour garder un semblant de difficulté. Mais j'aime bien capacité technique. J'aimerais bien atteindre 18 en capacité technique pour débloquer. Non, pas le jackpot. Permet de fabriquer des objets légendaires. Voilà, Marty, j'ai créé des waifus, Marty. Voilà. Et programmer ses propres cyber waifus. Si tu veux. On va récupérer toutes les ordures sur ces connards. Hein. Vous connaissez la chanson. Samiam, qu'est-ce qu'il a? Là. Là. Voilà, donc disais-je de quoi ça s'agit. Conversation archivée. D'accord. Il parle de la voiture sans doute. Des armes. Voyons. Il n'y avait rien d'autre de bien important. À quoi ressemble... Qu'est-ce que c'est que tout ceci là derrière là? Excuse-moi, mais il y a une salle secrète. Oh, Mujiri! Intéressant! Hop, c'est ouvert. Bon, bah, comme quoi, il y avait plusieurs manières d'entrer ici. C'est classique dans Cyberpunk. Mieux que Skyrim pour ça. Hop. Voilà. Impeccable. J'ai aussi téléchargé des packs de mode graphiques, braves gens, qui améliorent un peu les graphismes ou qui changent certains distributeurs pour donner des trucs un peu plus personnalisé, voilà. Un peu en mode Blade Runner et... Je n'y résiste pas. J'adore ces armes. Ouh, il m'a laissé un joli grade. On va voir, qu'est-ce qu'il y a par ici? Rien, ce canon. Il y a un mec à qui on peut parler là-bas, mais... est-ce que c'est réellement ce qu'on veut faire? Là, il y a une petite plaque. Impeccable. Thornton, le manuel. D'accord, ça parle de la voiture. J'imagine que c'est ça, la fameuse voiture qu'ils veulent que je ramène. Ça ferait du sens, parce que c'est vrai que c'est un sacré bijou. Voyons voir. Eh ben, les écrans plasma. Ça éconne zéro, hein. Attends, range ça. Non, j'ai dit, range ça. Voilà, merci. Il veut pas la ranger. Putain. Là, quand même. Mais excuse, il était bugué. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a dans ce PC? Distraire les ennemis. Mais il y a des choses dedans? Message. Une commande. Blablabla. Du porno. Très bien. Mais fermez-la! Non, j'ai dit fermez-la! Voilà, merci. Dieu merci. Alors. Ah, je me souviens de ce concert. Je me suis tellement bousillé les cordes vocales que j'avais plus de voix pendant une semaine. Ça devait être drôle à voir. Quoi, le concert? Non, Johnny Silverhand qui la boucle pendant une semaine. Fun fact, ça m'était arrivé en 2013, ça. Je m'étais tapé une angine de Ludwig et depuis, j'ai plus jamais réussi à faire cette anote ultra aiguë. Heureusement que j'enregistrais la chanson de Skyrim avant parce que de nos jours, je pourrais plus la faire. Même si je sentais très très mal et la qualité est absolument atroce. Tous les gens sont là, ils sont nostalgiques de la musique de Skyrim et c'est très bien. Mais c'est une abomination sans nom, il faut dire ce que c'est. Ah oui, la voiture, j'oublie. Suis-je bête. Impeccable. Attends, qu'est-ce que c'est? Oh, du soin. Écoute, c'est toujours c'est moins cher que gratuit, on y va. Alors, voyons voir le bébé. Attends, est-ce que je peux avoir l'effet de la vitre qui s'ouvre? Parce que c'est quand même ultra métal, ça. Le futur! Oh là. Hop là, et sans rayer la peinture! S'il te plaît! Oups! Sans rayer la peinture! Y'a rien! Oh! C'est chromé! Putain! Alors j'ai mis un mode qui permet d'améliorer la conduite, mais ça veut dire que j'avais triste plus en fait. Avant j'arrivais à gérer, mais... enfin, à gérer. Si tant est que c'était gérable.
trajet. Oh bah très bien. Ah bah oui. Le patch 1.2, brave Jean. Pardon, excusez-moi. Allez, tant pis pour la peinture, j'ai abandonné l'idée. Livrer la voiture à Don. Je veux bien. Mais Bon. Je vais me garer là. On verra bien s'il la veut. S'il la veut pas, c'est pas de ma faute. Hein. Retourner à la voiture. Ceci est contradictoire. 78% des habitants de Night City souhaitent que leur ville participe. Ah non, pardon, excusez-moi, je croyais que c'était au-dessus. Bêtement, je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était au-dessus. Peut-être que vous hurlez devant votre écran, je m'excuse. Lors d'une conférence de presse plus tôt dans la journée, des scientifiques de l'université. Voilà. En état. Très bien. Ouh ! Mec ! Ça, c'est le genre de couleur de cheveux, moi, j'oserais pas. Hein. J'étais bootleg. Hein? Quel bootleg? De quoi tu me parles? Ceux des concerts de samouraï. Tu m'as engagé pour les trouver. C'est normal que tu les voyais pas, ils sont d'une couleur normale. Ah, ouais, bien sûr. Fallait le dire tout de suite. Oh putain, c'est l'éclate. T'as la bagnole aussi? Ouais, à peu près, mais le problème c'est qu'elle est en couleur basique. Comme elle est pas fluo, tu risques de pas la voir avec ton filtre débilus. Elle est garée en bas. Les clés sont sur le contact. Quoi? T'es sérieux? C'est du pur délire, Choum. Ah, je l'oublierai jamais. Super, tant que tu me payes, moi je m'en bats les couilles. Très bien. Excellent. Et un client content. Allô? Beau boulot, V. Notre client est satisfait d'avoir récupéré non seulement cet enregistrement, mais la caisse aussi. Et un client satisfait, c'est une fixeur satisfaite. Tu peux être fier de toi. Le contrat est bouclé, ton argent est en chemin. BTDR, t'es qui? Et sinon, est-ce que je peux venir te satisfaire? J'ai de l'expérience en MILF, hein. Wouah! Pur stylé. Excusez-moi, la récompense t'attend au point de dépôt, excusez-moi. J'essayais de trouver des choses connes à dire à propos de ce gamin, mais il a... En fait, sur le coup, j'étais attendri. Il a la même tête qu'un gamin qui rentre deux week-ends de chez son pote chez lui pour reprendre l'école lundi, si tu veux. Je peux pas être cruel envers des gamins comme ça. Après, il avait une coiffure de merde, mais ma philosophie, c'est que avant 8 ans, tu peux te coiffer comme tu veux, ça ne compte pas. Voilà. Impeccable. Passé 8 ans, t'es plus censé uriner au lit et t'es censé avoir des vêtements convenables. Alors. Quoi? Bonjour. Vous voyez, ce bonnet était pas du tout convenable. Alors. je sais pas pourquoi j'ai volé cette voiture alors qu'en vrai, j'ai installé un deuxième mode qui me permet une téléportation rapide là où je le souhaite. Et pourquoi pas... Il n'y a pas de point de téléport rapide là? Non, j'en connais pas. Pourquoi pas... activité criminelle, on s'en fout. Là, il y a plein de trucs, on s'en fout. Avec plein de crimes et des choses, des missions secondaires. Là, rejoindre Panam, Ghost Town, on peut le faire ça. Attention, hop! C'est un mode. Le mode chargement rapide de GTA. Alors d'habitude, c'est beaucoup plus joli. Mais comme il y a de la brume à l'infini aujourd'hui, vous comprenez absolument pas ce qui se passe. En vrai, ça fait comme dans GTA, ça dézoome. Puis ça rezoome, voilà. Mais comme malheureusement, aujourd'hui, il fait Silent Hill, vous n'avez rien vu. Mes beaux effets spéciaux nullifiés, c'est pas grave. Bouhi ! Salut, Noudou ! Eh ben, je vois que t'es cosplayé en Camille là-dessous, hein. Enfin, sauf ton respect. Salut Paris. Salut. Panam. Tu dois être V. Elle est où ma caisse? Pourquoi? Elle est pas bien celle-là? Je l'ai empruntée, elle est pas à moi. Je t'ai demandé où était la mienne.
Aide-moi, et je te le dirai. Mais mon cul, ouais! Tu crois que je vais te laisser te servir de moi? Dis-moi, où est ma caisse? Écoute, t'en parles, mais ta voiture, je me souviens même plus où elle est. Eh, hey, tout doux. On se calme. Me donne pas d'ordre, ok? D'accord. Je sais où trouver la marchandise et ta caisse. Mais si t'y vas seul, tu les récupéreras pas. Et tu risques d'y perdre autre chose. Ton cul, justement. Alors on n'a qu'à trouver un arrangement. Qu'est-ce que tu veux? Un Pepsi, déjà, mais ça, ça n'a rien à voir. Et aussi, voilà. Je dois attaquer un convoi à Kang Tao. Ce sera pas facile. Je veux savoir si je peux compter sur toi. T'as complètement pété les plans ou quoi? Parce que je veux bosser avec toi ou tu parles du boulot? La navie Kang Tao est censée survoler les plaines Jackson. On m'a dit que ça devrait nous aider. Ouais, je crois pas, non. Il y aura un type à bord. Je dois lui parler. Non, mais je rêve. En échange, tu auras des infos sur ton chargement et mon aide pour le récupérer. Ok? Je sais pas. Je... Merde! Bien, marché conclu. Mais si tu veux que ton plan marche, on doit d'abord récupérer ma Sorton. Alors, elle est où? Parle-moi de toi, sous la pluie. La marchandise t'intéresse pas tant que ça, en fait. Je m'en fous de la marchandise. Avec ce pick-up, je peux prendre tous les boulots de livraison. Sans lui, la seule chose que je peux transporter, c'est les pizzas. Et encore. Oui, je vois, et encore, ça risque d'être difficile de les tenir plates. Ta caisse est à Rocky Ridge. Tu sais où c'est, à ce qui paraît. Elle est là-bas, et la marchandise aussi. Nage, sale petite ordure. Je vais t'étrangler. Nage, c'est un tchoum à toi? Il t'a fait un mauvais plan? C'est pas mon tchoum. Ok. Ils ont partenaire? Plus maintenant. Ce Shiv m'a fait un coup de pute. Il a chouré mon pick-up et la marchandise. Et là, il compte sûrement la fourguer à Rocky Ridge. Il peut se toucher s'il pense que je vais le laisser faire. Ok, ça m'a l'air d'être beaucoup de gens dont je n'ai pas grand-chose à faire. Je propose qu'on les exécute tous, puis tu m'aides, ok? Alors, en route pour Rocky Ridge. Une minute. Faut que je réfléchisse. Chier. Bon. On aura besoin de renfort. Va falloir faire un arrêt en chemin. Je peux savoir où? Une seconde. J'appelle le client. Je dois le convaincre de faire attendre cet enfoiré. Elle veut boucler la transaction dans le dos de Rogue. Waouh, ça c'est courageux. Ou alors elle a un creux à la place du cerveau. Hé, hey, salut boss. Nage doit te refiler la marchandise à Rocky Ridge. Le truc, c'est que ce fils de chien m'a baisé. Boss, je vais m'en occuper. Je te demande juste de me laisser une chance. Boz, s'il te plaît. Combien de fois j'ai transporté des trucs? Et combien de fois j'ai merdé, hein? Je te donne ma parole. Cette nuit? Ok. Non, annule pas le rendez-vous. Tu te rends compte que toutes les clopes que tu fumes sont virtuelles? Tu veux vraiment que je te réponde? Mais oui, évidemment. Merci, Boz. Tu le regretteras pas. C'est bon. Je nous ai fait gagner du temps. Ah bah quand même! Voilà, c'est bon, ça passe. Boz? Vista del Rey, Boz? Je savais pas que tu roulais pour les Six Street. Quoi, c'est interdit? Non, ça me pose aucun souci. Toujours d'ardents défenseurs de la bannière étoilée et des valeurs patriotiques? Peut-être bien. Mais je m'en tape. Ils payent bien. C'est pas plus compliqué. Wouah! Panam, elle bosse pour l'extrême droite! Hein? Ce jeu est méta. T'as donné ta parole à cet abruti et il t'a cru? Ouais, ça te surprend? Ça s'appelle avoir une réputation. Tu devrais t'en payer une un de ces jours. Hé, hey, me mets pas au défi, bébé. J'ai clairement les moyens. Tu sais combien de câbles Asus j'ai ripé des murs récemment? Mais... Alors, on va où maintenant? Au camp des Halles des Caldos. Je dois voir des gars du clan. T'as pas l'air super emballé. C'est pas ton problème. J'ai encore des potes là-bas. Bon. Je pense qu'il y a une chance qu'ils nous aident pour Rocky Ridge. Ouais, c'est le plan. Bon, bah, ok. Ok, en route. Monte. C'est sûr que tu veux pas y aller à moto? Il fait un temps, mais resplendissant, hein. Je le sais, j'ai été élevé en Bretagne.
pensais que c'est une poubelle, ce truc. Tu l'as trouvé où, cette caisse? Dans une ruelle de rancho? Bien vu, c'est ça. Ça te pose un problème? À moi? Non, du tout. Franchement, chacun est libre de ses goûts. Va te faire foutre! Il est où exactement, ce camp? Juste en dehors de la ville. On prend la 9 et après on va vers l'est. Attends, juste avant, j'ai besoin d'une arme parce que ça me perturbe. Moi, ça me perturbe quand j'ai pas d'arme disponible. Alors, j'ai le flingue des lesbiennes qui est un pistolet laser de fou. Mais il me faudrait peut-être une arme d'assaut. Alors, attendez. Personnage. Capacité technique 15. Réflexe 8. Condition 1. Anéantissement, combat de rue 6-6. Donc, ça, c'est cool. Arme de poing, lame, assaut. Donc, ça, c'est cool. Ce qu'il me faut, c'est une lame. Donc, j'ai un katana, ça, c'est cool. Et bah, ouais, on peut y aller full pistolet laser. Hein. Full pistolet laser, j'ai rien dit. Arme de lesbienne, continuons. Ok, très bien. Comment t'as fait pour te retrouver dans cette merde? J'aimais bien la couleur. Et je te parle pas du petit sapin et du siège bébé. Tu sais que je parlais pas de la voiture. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que j'ai pas l'intention de laisser mon partenaire me voler et s'en tirer comme ça? Que ma fixeur m'a fait passer pour la dernière des connes? Et toi, tu peux me dire pourquoi t'as besoin de ce clown dans la navie? Alors... Ce clown a des infos dont j'ai besoin. Et il me les faut super rapidement. Pourquoi elle m'a pas dit qu'elle était au courant pour Nash? Rogue, elle doit avoir ses raisons, mais je préfère pas les connaître. Putain, je la supporte pas, cette conne! Et pourtant, hein... Sacré milf, hein. Mais je suis d'accord qu'elle aille se faire foutre. C'est quoi? On l'emmerde, Rogue. Pourquoi tu lâches pas l'affaire? Parce que j'ai besoin de fric. La laisse pas te manipuler. C'est pas la seule fixeur en ville. N'empêche que t'es là juste parce qu'elle t'a envoyé. En attendant, c'est pas moi qui bitch sur elle. Tu sais que dalle sur elle. Que dalle! Elle t'a dit que c'était elle qui m'avait mise en contact avec Nash. Et qu'elle avait juste oublié de me dire que c'était un Raffenshiv. Putain, encore des mots, j'ai rien suivi. Tous ces gens vont mourir, tu le sais, ça? Quoi, Nash est un Raffen? Ouais. Il bosse avec les Wraith, le plus gros groupe de Raffen du coin. T'as entendu parler d'eux, pas vrai? Ouais, des nomades qui se font éjecter de leur clan, c'est ça? Ouais, la plupart. Les nomades bannissent pas les leurs sans raison. Alors imagine, des meurtriers, des violeurs, une belle brochette de tarés. Ils forment des groupes, même des vrais gangs parfois. La plupart sont en cavale avec un avis de recherche au cul. Putain. Et cette salope m'a fait travailler avec ses racleurs. Ah là là, c'est comme les programmeurs de jeux vidéo, regarde ça! Tous des dégénérés. Regarde cette route! Elle est dégueulasse! Enfin. Elle était peut-être pas au courant pour lui. Me fais pas rire. Les fixeurs comme elle savent ce genre de choses. Je te parie qu'elle sait qu'on parle d'elle en ce moment. Nash et moi, on avait un rôle à jouer dans son jeu. Son plan. C'est tout. Rogue est une sale conne frigide. C'est ça la vérité. C'est bien dommage. Sinon, le décor est bien joli ici. Malheureusement, on entend encore les bruits de la pluie. Je crois que le mod que j'ai installé qui rajoute de la pluie pour ajouter de l'ambiance était un peu trop... un peu trop poussé. Ou alors, c'est le bruit de la route. On va dire que c'est okay, le bruit des graviers de la route. On rassemble Mechum et enfile à Rocky Ridge. Ok, très bien. Fantastique. Et donc, vous habitez au milieu des éoliennes de Total Annihilation. Ça déconne zéro. Messieurs les clodos, bonsoir. Agression en cours, neutraliser les criminels et réunir les preuves. Quelle agression! Est-ce que cet endroit est considéré comme une antre de criminels notoires et irrécupérables? Ça me ferait rire si c'est le cas. Mais regardez ce que le bon vent nous amène. Un fantôme ou ma gueule de bois me joue des tours? Je t'emmerde, moi aussi. Et c'est qui, ça? Mon babysitter. Bonjour. Et je te présente Scorpion et Mitch, deux vieux amis. Ouais. T'auras peut-être pas besoin de babysitter si t'avais pas perdu ta marchandise et ta caisse. La ferme, V. Tu déconnes. Ta petite sœur Tone adorée a fini par rendre l'âme. La salte de Night City a eu raison d'elle. Non, elle se l'est fait tirer. Merde. Qui a osé faire ça? On s'en fout. Je vais la récupérer. C'est pour ça que je suis là. On a besoin de votre aide. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Les Raffens ont entubé Panam. On veut leur montrer que c'était pas une bonne idée.
C'est grave, ce qu'ils t'ont fait? Suffisamment grave pour m'obliger à écouter sagement vos conneries. C'est qu'on ferait n'importe quoi pour toi, Frangine. Mais là, ça va être dur. Sérieusement, vous allez pas m'aider là? Le vieux nous a dit de pas bouger, et de remettre ses générateurs en marche. Les batteries sont mortes. Des générateurs? Vous pouvez pas m'aider à cause de putain de générateurs? C'est encore une blague? Je peux jeter un coup d'œil si vous voulez. On a vraiment besoin de vous. Enfin, cette fois, ils ont besoin de nous ici. Putain! J'y crois pas. Vous restez bien sagement ici parce que Saul vous l'a dit? Vous en avez rien à foutre de moi! Madame. C'est pas Saul le problème, c'est le clan. Tu le sais. Écoute, on peut pas quitter le camp, c'est mort, mais Saul nous a pas interdit de prêter du matos. Ok. Bon, je vais avoir besoin de ton fusil. Et d'autres trucs à moi. Prends tout ce que tu veux. Et fais gaffe à toi, ok? Ouais. Merci, les gars. Je vais chercher le matos et je vous laisse tranquille. Eh bien, messieurs. Bon. Bon. Tu vas devoir me supporter, on dirait. Bah quoi, t'es déçu? Je sais pas. Peut-être un peu, ouais. Boude pas, bébé! Salut, Panam. Tu vas rester un peu dans le coin? Non, je vais pas traîner. On se parlera la prochaine fois. Salut, Panam. Oh là 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 là, il mate! Pardon. T'as amené un nouveau. Saul est au courant? Ça, c'est pas tes affaires. Enfin, je dis ça, mais moi je fais des zooms depuis tout à l'heure. Tellement content d'avoir les nouveaux yeux Kiroshi, sans déconner. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une fanfiction? Sans doute. Tu peux me donner un coup de main? Qu'est-ce que tu veux que je foute avec? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelques bricoles qui devraient nous être utiles. Prends-la. On a ce qu'il nous faut. Allez, on se casse. J'espère qu'il y a un paquet de grenades dans ta boîte, de grenades dans ta boîte, parce que... Vous avez réglé vos différends avec Saul? Tu vas revenir? Elle y travaille, c'est pour ça qu'elle a un fusil à la main, frère. Je serais toi, je me ferais tout petit. Panam, tu passes me voir après, hein, chérie? Une autre fois, Ellie. Promis. Elle a déjà un inséminateur artificiel. Et c'est pas moi, je parle de son flingue. Je sais pas qui c'est, Saul, mais il va prendre un sacré coup de suppositoire. Ouais, ouais. Allez, vas-y, file. Appelle-nous à l'occasion. Surveille-la bien, V. Mets-la dans le coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Tous ces mystères. Retournez la voiture. Sauvegarde en cours. J'ai sauvegardé rapidement. Tu m'attends tout de suite, hein, il faut que j'achète un Pepsi. Déjà, on prend ça. Rapport sur les fermes à protéines. D'accord. On peut manger des vers de terre comme dans Mad Max. Oh là 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 là. Eh ben, moi je jouais avec des petites voitures quand j'étais petit. Hein. Elle leur tire dessus. Putain, je veux récupérer... Je vais récupérer ça. Voilà, ça y est, c'est bon. Je l'ai. L'amour au temps du chrome. D'accord, mais quelqu'un ici écrit des fanfictions. Oh la vache, quoi. C'est Cyber Roméo. Ah non, c'est Roboméo et Cyber Juliette. Tu sais, au lieu que ça termine en Tragic 10, ça termine en « Prépare-toi à prendre la cyberfaciale !» Tu sais, c'est un remaster de 2053. Bonjour. Il y a un vieil adage qui dit « Je te rattrape en chemin. » Dubaï est le sable de la mort. Mais oui! Quelqu'un écrit des... Très bien. Je sais que c'est difficile à lire, mais vous mettez la pause sur YouTube, je vous fais confiance. Si ça vous intéresse, hein. Troisième volet de No Life, décidément. Oh là là, ça c'est des vraies coiffures, madame.
Ça, on peut respecter. Voyons voir. Et donc, il y avait un magasin et des choses comme ça et tout. Ah, voilà, quand même. Oh là 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 là. C'est quand même charisme. Hein. Je dois le dire, hein, cette petite communauté de rednecks d'extrême droite, ils sont fantastiques. Hein. Ils me laissent même taxer la bière sans rien dire. Hein. L'Amérique après les guerres, blablabla, 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 blablabla. Très bien. Là, il y a un point de déplacement rapide, ce sera toujours très utile. Bonjour. Ah ah ! Des armes. Un maximum d'armes. On dirait que les clients se pressent pas ici. Hein ? Non, mais heureusement, il y a les habitués. Les habitués ? Ils achètent des armes toutes les semaines ? Ils viennent surtout pour les réparations. Le sable, ça s'infiltre partout. Ça abîme les armes. Faut les démonter et nettoyer à l'air sec de temps en temps. Sinon, bah, on risque d'avoir une très mauvaise surprise. Je peux voir ce qu'il y a en magasin ? Je vous laisse regarder. Fort aimable. Voyons voir, qu'est-ce qu'il vend ? Il vend un Copperhead légendaire, ainsi qu'un Lexington légendaire, c'est tout. Tout le reste de ce qu'il vend, c'est quelques modèles d'armes, un modèle de planification de grade, c'est intéressant, un Shingen, pourquoi pas, je le prends. Même si j'ai plus de thunes, hein, tu vois, c'est pas important. J'achète des trucs, il vend en ouverture, let's go. C'est des plans, hein, des plans pour les construire moi-même plus tard. Et... Par contre, le Canon pour 1000$, ça je dis pas non. Ça, je dis pas non parce que c'est quand même ultra la classe. C'est comment faire en sorte que ton fusil ait la gueule du futur, si tu veux. Genre la vraie. Est-ce qu'il est intéressé par des câbles Asus ? Voyons voir. Et surtout, est-ce qu'il m'a... Oh, il me reste plus beaucoup de câbles Asus ! Aïe, aïe, aïe ! C'est bon. C'est bon. Alors, un charcutoc. C'est vraiment comme tous les charcutocs dans ce jeu. Genre, quasiment aucun n'a un implant. Si tu veux. Genre, les mecs, ils savent qu'il faut pas toucher à la marchandise. Ça fait confiance. Hein. Vous avez des implants à me conseiller ? Ah, vous savez, les implants cybernétiques, c'est comme les chaussures. Il faut en trouver à son pied. Un être honneur aura pas les mêmes besoins qu'un solo. Mais si vous passez du temps dans les Badlands, je vous conseille le camouflage. Holoskin, camouflage actif, selon vos préférences. C'est vrai qu'à côté de la ville, cet endroit peut paraître désert, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Wow. Si vous voulez mon avis, il faut se déplacer discrètement, ne pas trop... La ligne de dialogue qui a été tournée, implantée et laissée, malgré le fait qu'ils ont enlevé justement tous les camouflages optiques du jeu, parce qu'ils les ont pas programmés à temps, si tu veux. Je veux un nouvel implant. Wow. Droit au but. Très bien. Donc qu'est-ce qu'il propose, lui, déjà ? Cortex, mort réparatrice. Non, amélioration de mémoire vive, boost de mémoire. Un boost de mémoire bleu ? Oh ! 20 crédits de restore, 3 unités de mémoire vive. Et ça, ça n'est que de... Combien que ça coûte ? 0. Je le possède. Fantastique. Bon, on a tout gagné. Augmente votre mémoire du 10%. Augmente dégâts critiques de 16%. Ça, c'est essentiel. Pour les implants d'optique, j'imagine que là, j'ai déjà le top du must. Éclat sanguin, bioconducteur. Oh là 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 là. Un micro-générateur. Ça, c'est la charge statique qui explose. Mais je m'en fous. Booster d'adrénaline, je suis bof. Pompe sanguine, je suis bof. Injecteur de tyrosine. De toute façon, je peux rien équiper là-dedans. Système immunitaire. Je veux choper le Covid. Système nerveux. Accordeur de réflexe et Kereznikov. Kereznikov, je l'ai pas, mais accordeur de réflexe. Non plus, c'est pas nécessaire. Système tégumentaire, j'ai déjà la protection maximum. Ouh, qu'est-ce que c'était ça ? C'est quoi ça ? Écran inifuge sous la peau. Pouah, ça aurait été très très pratique. Système d'exploitation orange. Ils peuvent me proposer quoi en échange ? Je sais même pas ce que c'est ces trucs, je peux pas les voir. Je peux pas les voir, ils s'affichent pas, donc laisse tomber. Moelle épaisse, micro-rotor, augmente vitesse d'attaque, c'est non. Mes mains, j'ai déjà la lésion intelligente légendaire qui permet aux balles de faire des virages à 90 degrés. Les bras, je pourrais bien m'installer les monocables et tout le reste, mais c'est pas intéressant. Et les jambes, ils n'ont rien de mieux à me proposer. C'est pas mal. Attends, juste avant, voyons voir, qu'est-ce qu'ils proposent. Tabula rasa, et c'est tout. Qu'est-ce que c'est ? Blindage en titane, module cybernétique. Et, ok. Berserk cogneur, micro-manuka, munition explosive. Ok, bon. Il n'a rien. Tant pis. J'ai regardé, hein, je voulais voir s'ils avaient quelque chose d'intéressant
à nous proposer. Mais ce n'est pas le cas. Beau bébé en attendant. Oh là là là. Ah, ils sont bien installés, Redneck. Oh, les bécas. Waouh, elle est déglinguée. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça, c'est un beau bébé. Ça, on les aime. Ça, on apprécie. Cette voiture aussi. Bon, on va toucher à rien. Hop, voilà. On peut y aller. Monte. Désolé, j'étais en train de chier. Hein. Alors. Mitch et Scorpion, c'est des types bien, on dirait. Les meilleurs amis qu'une fille puisse avoir. Moi aussi, je resterais au camp si j'étais eux. Saul peut se foutre ses générateurs au cul, mais le clan passe avant tout. Mais moi, j'en fais plus partie. Ils te traitent toujours comme une des leurs. Ils tiennent à toi. Mm-hmm. T'as quelqu'un que tu considères comme un proche, toi? Pas pour l'instant, mais... ça va peut-être pas tarder. Ok. Ah, tant pis. Ils étaient dans l'armée, tes potes? Scorpion et Mitch? Ouais, c'était des Panzer Boys. Ils étaient mercenaires pendant la dernière guerre. Les Panzer Boys? Alors ils pilotaient ces énormes avions cargo? Scorpion, ouais. Mitch les protégeait. Ils ont eu droit à des implants militaires de bâtard et un tas de cauchemars bien tordus pour aller avec. Rocky Ridge, c'est un trou paumé au milieu de nulle part, si j'ai bien compris. Les habitants ont tous fini par bouger à Night City ou par se casser. Ouais, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. La région attendait le prolongement de l'autoroute. C'était censé redynamiser la ville. Ça s'est jamais fait, bien sûr. Y a combien de villes fantômes comme ça? Des centaines? Dans tout le pays? Des milliers. J'ai pris la I-80 l'autre jour. Y a qu'à s'arrêter une fois que le soleil est couché, quand c'est calme. C'est là que tu l'entends. Tu parles de quoi? Le fantôme de tes espoirs disparus? Le vent qui siffle à travers les fenêtres condamnées. Les virevoltants et le sable qui balaye la terre desséchée. C'est comme ça que les villes meurent. Pas dans le bruit et la fureur. Mais dans un gémissement. J'étais pas loin. Sinon, pas pour te traiter de sauvage, mais même moi, tu vois, je viens de la street, et pourtant, je suis pas autant de la street que toi, si tu veux. Apparemment, t'as un gros problème avec l'autorité. Quoi? D'abord Rogue, et maintenant Saul. C'est ton chef, c'est ça? Leur chef. On aurait dit que t'avais l'air pressé de foutre le camp. Disons que Saul aurait pas été très content de me voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on est venu en Californie, c'est parce qu'il nous a promis que les choses changeraient pour les Aldecaldos. Qu'on prendrait un nouveau départ. Mais tu l'as vu toi-même. Tout ce qu'on a eu, c'est une poignée de tentes sur une dune de sable. Paye ta terre promise. Je voulais une vie différente, une vie meilleure. Mais Saul est qu'un putain de lâche. Je suis convaincu qu'il va mener le clan à sa perte. Du coup, il faut le défier en 1v1, T'appelles un octogone, tu fais ça avec des motos, t'impliques un redneck, vous battez au fusil à pompe. On peut prendre des paris? Ok, on y est. On y est, ça m'a l'air aussi pourrave que... Mais... Qu'est-ce qu'on fait? On se prépare à accueillir les Raffen, et on n'a pas beaucoup de temps, alors... On improvise. On doit repérer les lieux d'abord, on trouvera peut-être quelque chose d'utile. Moi j'ai vu un message. Hop, voyons voir. Philippe. Voyons voir. Et très bien. Scanner les appareils dans la zone. Antenne parabolique, distrait aux ennemis, ping. Caméra de surveillance. Je peux la voir de là? Ouais, mode amical, je peux pas. Désactivation à distance. Je vois pas comment Rocky Ridge pourrait être plus mort. Tout est HS, y'a rien qui marche. Alors, t'as trouvé quelque chose? C'est de la merde ici. Genre de la merdasse. Je suis obligé de tout activer à la main. À la main! Ça marchera pas. Le courant est coupé partout. Eh ben, on va changer ça. Les Raffen vont se pointer à la tombée de la nuit. On va leur préparer une petite surprise. Il nous faut juste un peu de jus. Jetons un œil au poste de transfo. Ok. Très bien. Du jus. Moi, je reste hydraté, madame, mais... La région m'a l'air un peu sèche. Enfin. Hop. Voyons voir de quoi se laisse SSJ. On peut en faire le tour? Non.
Je suis juste censé scanner la structure, pardon. Ok. Moi je voulais directement commencer à bidouiller, tu vois. Aha. Aha. Moins cher que gratuit. Ok. J'ai trouvé les disjoncteurs. Ils sont à court de jus. T'inquiète, redescends. J'ai une idée pour surprendre ces connards. Hop là. Ok, alors le croisement est alimenté par ce poste de transfo, d'accord? Le tableau électrique sur le toit. On va appuyer sur l'interrupteur et bon, tout va s'allumer. Ça va être Noël. Ah ah. Bonne idée. Il faut qu'on remette le courant. Je vais chercher les points d'accès. Super. Ils vont sûrement se pointer en nombre. Difficile de dire combien. Faut qu'on soit plus malin qu'eux et qu'on trouve un moyen d'arriver au pick-up. T'inquiète, j'ai quelques idées. Je vais leur préparer une petite surprise au croisement. Super, c'est parfait. Quand ils verront les lumières, ils se mettront forcément à chercher d'où ça vient. Nova. Ouais, on commence par allumer le terminal de contrôle juste en dessous. Sinon l'appareillage sur le toit servira à rien. Viens, on va lui donner un coup de boost avec la batterie de la caisse. Ça devrait suffire. Attends-moi près du poste de transfo. Je vais ramener la caisse. Bon, bah on a un plan. Scan au préalable pour voir s'il n'y a pas des choses. Non, il n'y a rien. Très bien. Voilà. Oh, ce soleil! Oh là là. Attendre Paname. Beaucoup d'attentes dans cette quête. Hein. Non pas que ça me dérange, mais... Ah, je peux peut-être sélectionner une arme là maintenant. S'il vous plaît. Merci, Dieu merci, parce que... Ouais, très bien. Voilà. Eh ben, t'en as mis du temps. J'ai presque eu le temps de réapprendre à jouer au jeu. Le panneau a l'air en bon état. Je vais faire une dérivation vers la lime. Ça devrait fonctionner. Il faut juste qu'on la remette en marche. Prends les câbles dans le coffre. On va le démarrer avec la batterie de la caisse. Ah, c'était donc ça. Câble de Max Dog, munitions pour fusil. Max Dog, très bien. J'ai tout pris. Ah. Câble rouge connecté. Attends, donne-moi 2 secondes. Je dois tout raccorder ici. Très bien. C'est fait. Maintenant, le noir. Faut trouver une masse. Là. Là. Repose en paix. Ce vieux taco nous aura bien servi. Ok, j'ai du jus. Allume le terminal à l'intérieur. Et quand il y aura du courant dans le bâtiment, monte sur le toit. Ça marche. Je vais m'installer sur la tour. On aura une vue parfaite sur le croisement. Du coup, à mon signal, t'actives les disjoncteurs, ok? Hey chef. Il faut que j'allume le truc à l'intérieur, mais je suis pas assez fort. Est-ce que je peux forcer ça? Comment je passe? Comment je passe? Hop. J'aurais peut-être dû prendre les bras gorilles. Ça passe. Hop. Le futur. Tout va bien. V, qu'est-ce que tu fous? J'arrive. J'ai rencontré quelques difficultés. Briser la vitre et rentrer. Voilà, c'est bon. C'est bon. J'ai. Ok. Ce jeu. Ah. Nous ne sommes pas obligés de patcher le jeu. Allez, le tableau électrique est alimenté. Nova, on va leur faire une petite surprise au croisement. Faut qu'on se mette en position. Ok. Fire. Hop là. Tout dans les guiboles, madame. Ok, sauf qu'avant de se cacher et d'attendre, on choisit les bonnes armes et les bons outils pour la bonne baston. On a le pistolet blaster, on a le fusil à pompe automatique, on a le pistolet viseur, on a la grosse ouverture, on a une petite bratteuse qui est malheureusement pas très quali. Si on les met dans l'ordre... Non, pardon, excusez-moi. Dans l'ordre de DPS... Ouais, écoute. Hein.
Ouais. On va être obligé de faire avec ce qu'on a. Ce sera pas très glorieux, mais écoute, on va. On va tenter de négocier des choses, d'accord? Fusil sniper, c'est toujours bien pour éliminer une cible. Fusil à pompe, je peux m'en débarrasser. Je me lance un chat pour... Avec un petit viseur, grande stand x2. x2 plus connaître. Hein. Pas besoin. Et lui, tu peux avoir des modules. Ouais, tu peux avoir bien sûr le module de visée. C'est le module x2. Non, c'est le module petit. Ok. Voilà, très bien. Ça marche. Ok, c'est plus que raisonnable. Maintenant, on attend. Allez, c'est parti pour l'embuscade. Dès qu'on les voit, t'envoies le jus. Les Raffen vont arriver par où? T'as une idée? Le nord-est, je pense. Par la vieille autoroute qui a jamais été terminée. Nord-est. Le soleil se couche à l'est. Le soleil se couche à l'ouest. Bon, bah tant pis. Compris. Couvre-moi juste au cas où. Ça marche. Perdu. Et voilà, dans ma sorne. Tu la vois? On peut difficilement la rater. On va les prendre par surprise. Vaut mieux faire ça discrètement. Si jamais ça dérape, je les décapsule. C'est bon? Nova. C'est un Vrace, mais c'est lui derrière. Que ce soit lui. Black Gecko. Vrai Goliath. Vrai Sniper. Vrai Chasseur. Fils de pute de boss. Attendez-les ici. Vrai Diablesse. Vrai Chasseur. Tiens-toi prêt. C'est parti pour le show. Et c'est parti pour le show. Que la lumière soit. Et la lumière. Bouc. Il a repéré. Un piège. Jette un œil. Regarde bien partout. Je serai à l'intérieur. Crie quand tu les verras. On pourrait te couper d'ici. Mais j'arrive pas à entrer, c'est fermé. Alors qui a aimé? Je vais griller. Ah pardon, j'étais censé faire ça discrètement, mais excuse. J'ai bien fait de sauvegarder rapidement. Tant pis. Hein. Parce que moi, c'est prends la clé des poches de cette personne. C'est plus facile si cette personne est morte. On gagne un temps fou. Enfin. C'est qu'une question de temps. Alors, qui a allumé? Peut-être passer par en haut. Ça se tente. C'est... J'ai voulu la marquer. Mais excuse, brave Jean. J'étais concentré, j'ai voulu la marquer, j'ai jeté une grenade. C'est parce que j'ai zoomé, mais pas avec le bon zoom, en fait. Mais excuse. C'est moi. Que voulez-vous? Déjà, attends, range ton voilà, là. Voilà, moi, je l'ai marqué. Derrière, je ping. Peut-être passer par en haut. Ça se tente. Ça passe. Attention, voilà l'autre qui se tourne. Oui. Bonjour. Bouc. Voilà. Merde, c'est pas elle qui a la clé! C'est cette connasse à l'étage! Chier! Oublie! Bonjour! Oh! C'est ce que j'appelle un massage chi-dessus.
Bien joué. Et maintenant, quelques chiffres respirent encore. Ce serait mieux de pas laisser de témoins derrière nous. Les gens ont laissé du pognon ici. D'accord. Ok. Mais excuse-moi, je suis plus discret dans les phases de discrétion. Alors qu'en vrai, je pourrais faire autant de bruit que je veux. Où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai chu, il y avait un trou. Bon, c'est pas grave. Allez. Voilà, très bien. Le bureau, de l'alcool, des choses dans les murs. Scan tout, du pognon, un autre truc. Un haut-parbal improvisé. Bon. A mon avis, il devrait y avoir une arme légendaire ici, mais me connaissant, je vais la rater comme un nul. N'hésitez pas à me hurler dessus dans les commentaires. C'est pas grave, on pourra revenir au Grand Pire. Alors, du coup, est-ce qu'on peut pinguer ces petits enfoirés d'enfoiros? Comment ça? 1, 2, 3... Discrétieusement. Et discrétieusement, c'est le meilleur sieusement. Oh, c'est la dernière fois. Je vais crier. Tant pis. Il m'a vu. C'est pas grave. J'étais persuadé que je pouvais l'avoir. Il s'est retourné juste au mauvais moment. C'est pas grave, j'ai juste de sauvegarder anyway. La sauvegarde rapide, hein. Le safe state. Merci Bedejda. Mais c'est pas eux qui ont fait le jeu, Bob. Vous avez raison, dans les jeux Bedejda, les bugs sont patchables. Bonjour. Ça reste encore la meilleure méthode. Il n'est pas tourné dans le bon sens. Mais il ne voit pas. On le tient. Bonjour. Petit massage shih tzu. Et voilà. Se garde. Oui. Je suis l'os d'un fantôme. Je suis la nuit. Je suis. Hop. Très content de mon coup. Voilà. Je suis très content de mon coup. Ok, très bien. Merci. Je voulais qu'il chute et il a chu. J'en suis très content. Ça fait un sacré bordel depuis l'intérieur avec leur orgiadique et tout. Ils en peuvent plus. Qu'est-ce qui reste dans la région? À part. À part des pays que j'ai pas vu là encore, mais. Ça a l'air d'être la dernière, hein. Oublie! Qui est là? Hop là! Bonjour! Attends-moi dans la caisse. Ok, c'est bon, on les a tous gérés, et puis discrètement, hein, comme un fantôme. Enfin, ça a demandé 2-3 essais, mais... Les mecs sauront jamais ce qui les a frappés. Ah ah! Petit argent gratuit. Utilisation des super pouvoirs du futur. Oh là 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 là. Y a plus rien après ça. Si. Si, pourquoi il s'est arrêté? Très bien, il s'est arrêté. Ok. C'est pas grave. Hop là. Moins cher que gratuit. Est-ce qu'il y a des... Je suis sûr que j'ai raté des trucs dans le machin. Enfin, ça me hante un peu, brave Jean, je dois l'avouer. Donc je vais extra scanner, notamment pour cette arme. Pour ce morceau de papier. Par contre, les éclats... Qu'est-ce qui leur est arrivé aux écrivains de ce jeu?
Ils ont écrit mais 10 000 lettres. Les mecs, faut faire un roman. Hein. Faut faire un roman en fait. Ils ont craqué psychologiquement. Ouvrir aucune autorisation. Il faudrait la clé. Et je peux pas le forcer. Pas d'entrée arrière non plus. Et ça se trouve, il y a des items de fou à l'intérieur. Parce qu'en plus, on peut pénétrer par le toit. Je vous avoue que tout ceci m'interroge, Zemelers perplexe. Mais bon. C'est pas la clé, ça, non. C'est juste des chewing-gums, juste des mentos. Tant pis. C'est ça, sa caisse ? Eh ben, c'est encore une plus grosse redneck que je pensais. Pousse-toi, je prends le volant. Voilà, tu crevais vraiment d'impatience, c'est ça ? Après tout, c'est son bébé. Enfin. Oh là 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 ! C'est une vraie camionneuse. Alors ? Une vraie beauté, tu trouves pas ? Si t'avais de la lumière intérieure, ouais, mais ouais, c'est joli. Un vrai petit bijou, je comprends pourquoi tu tenais tant à la récupérer. Elle et moi, on se complète. Tu vois ? On s'en est très bien sortis sans Mitch et Scorpion. Écoute, V, c'est pas encore fini. Ah bon ? T'as la marchandise ? T'as ta caisse ? J'ai pas une hache. Il était pas à Rocky Ridge. Cet enculé, il est resté planqué. Ah ! Alors au final, tu voulais juste te venger. Rien d'autre. Qu'est-ce que tu connais de moi, hein ? Soit tu dis pas toute la vérité, soit tu sais pas ce que tu veux. Je sais pas ce qu'il y a de pire. Mais écoute-moi, putain ! Je sais où se trouve leur planque. On va prendre la vieille autoroute, celle qui est pas finie. Ils nous attendront pas. J'en suis sûre. Ah ! Fine. D'accord. Et il est où, ce repère ? Il est pas très loin d'ici. Merci, V. Ce que Nash a fait. Je lui faisais confiance. C'est la première personne avec qui j'ai bossé après avoir quitté les Aldecaldos. Après avoir bougé à Night City. T'as des phares sur ton bousin ? Je lui ai accordé toute ma confiance. Ah. Je comprends. Je sais ce que tu ressens. On m'a déjà trahi, moi aussi. Et tu lui as fait payer ? J'en ai pas eu l'occasion. Quelqu'un l'a fait avant moi. Mais autrement, tu l'aurais fait ? Ah bah évidemment ! Sans déconner, oui ! Le truc, c'est que vraiment, je me suis fait steal kill, si tu veux. Aucun doute. J'aurais pas hésité. Il est temps que je règle mes comptes. T'es sûr tu veux pas allumer les phares ? C'est terriblement dangereux ce qu'elle fait, les enfants. 53 miles à l'heure, hein. Eh ben. Alors, t'es prêt ? Je sais pas vraiment à quoi, vu que je n'y vois absolument rien ! Bon. On va le pécho. Oula. Alors j'ai Abou qui joue à Pavlov VR. Qui joue à tous les jeux VR du monde. On sait pourquoi il a acheté de la VR. Spoiler, c'est pas pour les 4 jeux qui se courent après. Hein. C'est pour Koikatsu, frère. Personne peut te sauver ! Ah bah parfait ! Et on a même pas le temps de leur parler poliment. Quoi, bonjour ! Pastille ! Parfait ! Eh bien écoutez, braves gens, pour moi, c'est l'occasion idéale de mettre fin à l'épisode ici. Hop ! Voilà. Par contre, qu'est-ce que c'est que cette luminosité ? Pour l'amour de Dieu ! Activer autofocus, pause, effet, stickers, effet, stickers. Est-ce que cadre arrière-plan, aberration, pause. Est-ce que je peux changer l'heure ? Je peux pas changer l'heure. Pose avec fusil sniper, personnage visible, bouillie, rotation.
Grain vert, contraste clarté. Ah voilà! Voilà! Ah bah voilà! Regardez cette action! Regardez comme elle est belle! Oh là 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 là! Ça par contre c'est qui nos braves gens? Parce que d'un côté... Y a Paname qui est en train de faire un tir. Elle se prend mais pour Lucky Luke. Genre zbla, elle fait des tirs comme ça. Genre c'est Devil May Cry. Et d'autre côté nous avons Vili qui est là. Mais qu'est-ce que je fous ici? Il est en train de se faire tirer dessus. Il a le regard dans le vide devant son action de Ghost Slayer. Il est là sans déconner. Il pouvait pas juste corriger les bugs avant leur sortie?